Cuisset, j'ai 66 ans. Je suis installé depuis 1978. Je travaille avec mes deux fils sur l'ERL, Cuisset, Guy et fils maintenant. Ils ont beaucoup innové, un système de taille révolutionnaire sur la vigne, des plantations de cépages résistants qui sont également quelque chose de tout à fait innovant, que du bio depuis 2006. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de l'année, on a récolté, comme maintenant on est en train de récolter ici les vendanges, on a récolté, les vinifications sont bien passées et les commandes sont prévues et le planning est bon pour l'année. Ça, c'est voilà, c'est ça qui est bien. Tout est agréable quand tout va bien ensemble. Le critère de qualité, c'est d'abord le sol, donc il faut régénérer les sols. Ensuite, il faut qu'il y ait des bons raisins. Et ensuite, au niveau vinification, il faut arriver à ce que les vins soient bons et faciles à boire, complexes et structurés. Alors la gamme, nous avons 50% de blanc, 50% de rouge, une gamme qu'on appelle la cuvée tradition, ensuite on a la cuvée réserve, et ensuite il y a les cuvées monocépage, ou alors maintenant on fait une cuvée Helios, qui est la cuvée des temps chauds, puisqu'il y a le réchauffement climatique, et donc avec le soleil, ben, on a une cuvée particulière. Quand j'étais jeune, on rentrait à l'école vers le 20-25 septembre, et on commençait les vendanges. Donc en 50 ans, on a gagné presque un mois de délai. Le métier d'agriculteur, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est toute une vie finalement. Maintenant, c'est toute une vie, je peux le dire. C'était une passion, c'était un objectif, ça a été beaucoup de contraintes, parce qu'il n'y a rien qui se gagne sans beaucoup d'efforts. Il faut être capable de connaître le travail pour s'entourer de partenaires qui travailleront bien, faire monter l'équipe, la faire évoluer pour que ça soit vraiment quelque chose de dynamique et de moderne. La terre est généreuse, il faut la comprendre, il faut l'aimer, la respecter. C'est pour ça qu'il faut connaître beaucoup de choses. La meilleure cuvée pour moi, c'est un vin qui de toute façon est riche, qu'il soit rouge ou blanc, qui est aromatique, sympathique, généreux, mais pas agressif, et qui reste longtemps en bouche.